Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour cette vidéo à l'intérieur. Vu le temps qu'il fait à l'extérieur, nous ne pouvons pas voler. Notre vidéo qui vous permettra de choisir plusieurs drones pour Noël. Donc ça dépend des bourses que vous avez. La première partie des drones que j'ai choisi pour Noël, c'est une tranche entre 0 et 100. Sans parler de dingue. Donc c'est le Tello. Bon, il est où celui-là? Ah, bah il se trouve là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà le Tello. Donc c'est un petit drone de chez DJI. Donc c'est DJI qui l'a fabriqué en partenariat avec Tello. Dites-le moi en commentaire si jamais je me trompe. Donc c'est un petit drone assez maniable, correct pour commencer. Il est très sympathique. Son autonomie n'est pas très longue, très en autour de 5 à 10 minutes. Il filme en 720p. Bonne petite résolution pour ce genre de drone. La stabilisation est limite, mais bon, pour ce qu'on en fait, ça sera parfait. Il est fourni avec ses protections d'hélice. Donc ses protections d'hélice sont bien utiles, car la première fois que ma femme l'a essayé, elle l'a craché. Donc d'où l'intérêt de commencer d'abord pas un petit drone comme ça avant de vouloir acheter un drone à plus de 800 euros. Donc le Tello, bien sûr, il se pilote avec l'application Tello que vous trouvez sur l'Apple Store et sur Google Store. On peut le piloter à l'extérieur. Ce que je conseille, c'est quand il n'y a pas beaucoup de vent. Deux capteurs qu'il y a en dessous, qu'on voit là, ces deux capteurs permettent de faire directement un décollage de la main. Son prix actuel est un peu en dessous de 100 euros, donc 99 euros. Donc c'est un très beau cadeau de Noël. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me le dire. Ensuite, il y aura plusieurs vidéos du même type, vu qu'on s'approche de Noël, pour donner mes conseils d'achat de drones. Donc les prochains drones qui seront dedans, ça sera entre 500 et 1000 euros. Bien sûr, je parle de drones neufs, pas d'occasion. Il y aura aussi des drones Holland 1000 euros. À 1500 euros. Donc ça, c'est vraiment pour les bourses les plus aisées. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon vol. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un commentaire. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu. Et pour les prochaines vidéos, si vous voulez pouvoir les voir, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche de notification. Bonne journée à vous.